Ça marche, quelque chose comme ça. Pour les jeunes, je leur conseille de vraiment de suivre la flamme qu'il y a au fond et de jamais la laisser s'éteindre. Et c'est comme ça qu'on continue et qu'on va jusqu'au bout et de chacun ses rêves. Et puis il y avait les fous, ceux-là qui disent ah, c'est extraordinaire, mais bien sûr qu'on pourra le faire. Ouais, probablement un petit grain de folie et une envie de faire des trucs qui n'ont pas déjà été faits. Une des caractéristiques de tous les métiers dans la recherche, c'est qu'on ne peut pas juste appliquer des recettes qu'on connaît déjà et qu'on se contente de reproduire. Il faut être créatif. Ce qui est important, c'est qu'on n'y arrive pas forcément tout droit, mais il y a toujours un chemin de traverse qui permet d'arriver d'une manière ou une autre à faire quelque chose. Donc finalement, voilà, on arrive toujours quand on est passionné. Il faut y aller, il ne faut pas douter, il faut y croire. Voilà. Mais bon, on sait que c'est un long parcours, mais il faut y croire. Parce que de toute façon, en science, on a besoin souvent d'aller se nourrir à côté pour pouvoir le réinvestir après dans les disciplines scientifiques. Donc je crois qu'en science, l'important, c'est d'avoir la passion et de ne pas renoncer à sa passion. Aller aussi loin qu'on peut dans sa passion, c'est ce qui permet d'arriver au bout.